des chiens. Je te conseille de pas les approcher de trop près. Ils sont pas comme ceux de la zone. Ils sont sauvages. Ouais, ce plafond est un vrai gruyère. Attention. Fais-moi monter. Attention. T'as trouvé un truc ? Merci. Thank you.
Ellie, j'ai trouvé une autre BD que t'as l'habitude de lire. Ellie, viens voir. Tiens-moi ça. C'est quoi? Hey Sam, fais attention. Ouais, d'accord. Bon, je commence. Oh, mince. À toi. Ok. Je lance. Ouais. Et bim, je suis trop forte. La chance. Non, c'est pas vrai. C'est que de la chance. Ok, boucle là, tu t'emballes. C'est parti. Merde! Nul! Bon. Match nul? Non. Tu t'es carrément fait laminer. En quoi je me suis fait laminer? On est presque à égalité! Ouais, d'accord. Un jour, les gamins redeviendront des gamins. En route. Les Lucioles étaient là. Ouais, on dirait bien. Comment on va les retrouver? Je connais un gars. Mon frère, en fait. Il faisait partie des Lucioles. À ce que je sais, il était dans le Wyoming. On y va, on le retrouve, et on trouvera les Lucioles. T'en dis quoi, vous en êtes? Ça m'a l'air d'un bon plan, ouais. Hé, hey, Henri. Ouais. Et les autres, alors? Comment ça? On s'en est sorti. Il y a des chances qu'on soit pas les seuls, pas vrai? Ouais, Sam. Il y a des chances.
Oh merde! À terre! Foiré de sniper! Est-ce que t'as vu où ça allait? Plus loin dans la rue. Très bien. Restez tous ici. Non. Avant d'y aller, je voudrais que vous fassiez une action. Je vais essayer de trouver un endroit d'où je pourrais l'atteindre. Ok. Sois prudent. Montrez-vous un peu, sale mioche! Par là. Il est parti. Il est par là-bas. Il est pas là. Déployez-vous.
Lâchez-vous. Regarde ça. C'est bon. Tout va bien. On doit y aller. Très bien. Sam! Henri! Allez, elle. Sam, tout va bien? Ouais. Ouais, ça va. Vraiment? J'ai dit ça va. Allez, allez! En route! Blessé. Non, ça va. Bon, je crois qu'il est temps de mettre les voiles. Allez. On y va. Tu déconnes. Non, je te jure. C'était l'anniversaire de Tommy, et la seule chose qu'il voulait faire... C'était louer deux Harley et traverser le pays. Ah, merde. Qu'est-ce que je donnerais pas pour en faire juste un tour? C'était comment? C'était bien, super bien.
Bien. Non mais tu l'entends? Allez mec, quoi? Donne-moi des détails, décris un peu. Bon, vous savez quoi? Vous deux, vous avez besoin d'être seuls. Non, Ellie. On parle pas de n'importe quelle moto, là. Quand t'es sur cette bécane avec le moteur qui ronfle, ça n'a pas de prix. Ah ouais? Et qu'est-ce que t'en sais? Je l'ai vu en rêve. Je pense qu'aucun membre de notre groupe viendra. Ouais. Le pire dans tout ça, c'est de l'expliquer à Sam. Bon, c'est officiel, ces deux-là sont devenus potes. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la liste de la bouffe qu'on a trouvée aujourd'hui. Je vois. Et on en est où au niveau des pêches en conserve? C'est Henri qui t'envoie. Non. Pourquoi Henri m'enverrait? Pour s'assurer que je fais pas de conneries. On s'en est plutôt bien sortis tout à l'heure. Surtout toi. Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va. Ok. Ben... dors bien. Pourquoi t'as jamais peur? Qui t'a dit ça? T'as peur de quoi? Voyons voir. Les scorpions sont assez flippants. Être toute seule. J'ai peur de finir toute seule. Et toi? Ces créatures dehors. Et si les gens étaient toujours conscients? S'ils étaient encore là, mais qu'ils contrôlaient plus leur corps? J'ai peur que ça m'arrive. Ok. D'abord, on forme une équipe, ok? On va s'entraider. Et deuxièmement... ils ressemblent peut-être à des gens, mais la personne est morte depuis longtemps. Henri dit qu'ils sont partis ailleurs. Qu'ils sont avec leur famille, genre au paradis. Tu crois que c'est vrai? Ça dépend des fois. Enfin, j'ai envie d'y croire. Mais t'y crois pas? Je crois que non. Ouais. Moi non plus. Oh! Avec tout ça, j'ai failli oublier. Tiens. Si c'est pas que tu l'as, il peut pas te le prendre. Allez, je suis crevée. On se voit demain. Ça sent trop bon. Bonjour. Où est Sam? Je l'ai laissé dormir pour une fois. Hein? Mais si tu veux qu'il nous rejoigne, tu peux aller le réveiller. Ok. Sam? Sam! Qu'est-ce qu'il y a? Merde, il se transforme! C'est mon frère, putain! Et merde! Merde! Ellie, est-ce que ça va? Ah ouais.
Oh non. Sam? Sam! Henri! Ellie, bouge pas. Oh, Henri! Qu'est-ce que je fais? Sam! Henri, je vais te prendre ton arme, d'accord? Sam! Ok, ok, du calme. C'est ta faute! C'est la faute de personne, Henri. Tout est ta faute! Henri! Henri, non! Oh mon Dieu! Comté de Jackson. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de Jackson, non? Quelques kilomètres, pas plus. Prêt à voir ton frère adoré? Je serais content d'arriver. T'es nerveux? Je sais pas ce que je ressens. La route s'arrête là. Suivons la rivière. Ça nous conduira jusqu'à Tommy. Viens. Il s'est passé quoi entre vous? Comment ça? Tommy et toi? Si vous êtes séparés, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est juste qu'on n'était pas d'accord sur un point. Ah, mais y voilà. Quel point? Tommy voyait le monde d'une façon et moi d'une autre. Et c'est pour ça qu'il a rejoint les Lucioles. Ouais. Ouais, ta copine Marlène lui a vendu du rêve. Ça l'a occupé pendant un temps, mais Tommy étant ce qu'il est, il a fini par laisser tomber. C'était comment, votre dernière rencontre? Je crois que la dernière chose qu'il m'a dite a été « Je vais plus jamais revoir ta sale tronche ». Eh ben… Mais il va nous aider? Ça, on va le savoir très vite. En tout cas, on y arrivera. Avec ou sans son aide. Allez, on continue. Ça, là-bas, c'est une centrale hydroélectrique. Hydro-quoi? Ça utilise l'énergie de la rivière, et ça la transforme en électricité. Et comment ça marche? Écoute, je sais ce que c'est, pas comment ça fonctionne. Très bien.
Comment on traverse ? Je vais trouver un truc. Reste ici. Ok, Ellie, il faut que... Je sais que je grimpe sur cette foutue palette. Allez, vas-y, tourne. J'ai oublié de laisser ce sale robot sur sa tombe. Qu'est-ce que je dois en faire ? Ellie. Quoi ? J'ai envie qu'on en parle. Non. Pourquoi pas ? Combien de fois est-ce que je dois le répéter ? Les choses arrivent. Mais on avance. C'est juste... Ça suffit. T'as raison. Désolé. Faut qu'on arrive chez Tommy. Je sais, moi aussi. Bon, le prochain écureuil, je lui fais sa fête. Une fois passé cet endroit, on essaiera de trouver à manger. Bon, si je meurs de faim, ce sera ta faute.
Est-ce qu'on entre? Il n'y a pas d'autre chemin. Passons par la centrale. N'essaie même pas de dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la sienne. Ellie, fais ce qu'elle te dit. Ok. Dites-moi que vous êtes perdu. Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où? Tout va bien. Tu les connais, ces gens? Lui, oui. C'est mon putain de frère. Tommy. Oh, merde. Comment tu veux, petit frère? Oh, putain. Ouais. Et laisse-moi te regarder. Oh. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ce sera bientôt ton tour. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est... c'est elle qui dirige cet endroit. Madame, merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Il va falloir qu'on s'explique à un moment. Ellie, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer? Ouais. Ok. T'as faim? Oh, carrément. Fausse alerte! On les connaît. On subit pas mal d'attaques. Il y a plein de bandits dans le coin. C'est calme depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu fous ici? Je pensais te trouver à Jackson. On essaie de redémarrer la centrale. On avait réussi à la relancer, mais une turbine est tombée en panne. On a l'électricité. Enfin, on avait. On va la récupérer. J'y crois pas. Vous avez des chevaux? On en a plein, même. Hé, Tommy, donne-moi un coup de main. Désolé, je reviens. Je peux? Oui, bien sûr. Il aime qu'on lui caresse les oreilles. Tu es déjà monté à cheval? Eh ben, ouais. Quand est-ce que t'as monté à cheval? C'est Winston, un soldat de la zone. C'est lui qui m'a appris. Si tu veux, on pourra aller faire un tour avec lui tout à l'heure. Ça serait super. Voilà. Eh, merci, Tommy. Pas de problème. Allez, on continue la visite? Earl? Oui? Qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas censé rentrer ce matin? J'attends toujours Couser et les gars viennent me relever. On va se débrouiller. Allez, va rejoindre ta famille. J'en ai plus que pour 2 heures, ça ira. D'accord. Mais n'en fais pas trop. Maria? Ouais, allez-y. On est dans la salle de contrôle. Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un œil? Je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour de toute façon. J'y vais. Je viens avec toi. Va avec Maria et mange quelque chose. Joël? Allez, Ellie. Laissons les gars travailler. Bon, je vous envoie Tommy. Bougez pas. Allez. Ce sera la 6e fois qu'ils essaient de relancer les turbines. Ça fait qu'une semaine qu'on est là, mais ça semble long. J'ai quelque chose pour toi. L'an dernier, je suis retourné à la maison, au Texas. Le plus gros de nos affaires manquait. Le plus gros. Tiens. Elle est un peu passée, mais elle est encore chouette. C'est bon. T'es sûr? Je veux dire... J'ai dit c'est bon. Ok. Je vais la garder pour toi. Tommy... Écoute, il faut que je te parle. En privé. Ouais, ok. Je vais juste aller voir les gars, vite fait. Allez.
sais pas ce que tu sais, mais va voir la ville. On compte plus de 20 familles. C'est Maria et son père qui ont créé cet endroit. Oui, pour de façon autonome. On a des plantations, du bétail. On sait que ce mode de vie était mort et enterré. Vous êtes nouveau par ici? Ouais, Joël, je suis... Le frangin. Les nouvelles vont vite dans le coin. Apparemment, oui. Il y a comme un air, en effet. Je vois. C'est un compliment. Ravi de vous connaître. Enchanté. Et niveau sécurité? Les adultes gardent le périmètre à tour de rôle. On a même une barrière électrique quand la centrale marche. Et vous avez toujours affaire aux infectés, hein? Comme partout. Faut bien faire avec. C'est peut-être pas obligé. Tu parles comme Marlène. Salut, toi. C'est Buckley. C'est pas un bon chien de garde. Mais j'aime bien l'avoir ici. C'est un bon chien. Ces deux génies vont nous remettre la centrale sur pied. Je crois que c'est la bonne cette fois. Quoi, tu ne crois pas? J'ai pas dit ça. Je te parie 1 000 000 que ça marche. Ok, disons 2. On est presque prêts. Ils ont plus qu'à finir d'installer le bouclier. Tranquille. À gauche. Faites gaffe. Ok, c'est bon. Laissez-le. Doucement. Voilà. C'est bon. Tommy est là. On peut y aller? Juste une petite seconde. Ok, c'est bon. Prêt? Vas-y, démarre. C'est parti. Oh, oh putain. On a réussi? Bon boulot, les gars. Faudrait appeler Maria pour lui annoncer la bonne nouvelle. T'as vu ça? Assez impressionnant. Tu vas devoir me trouver 2 000 000. Tu l'as dit. Allons en discuter. C'est une sacrée équipe que t'as là. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Il nous donne à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre quoi? Écoute, oh, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de spores pour tuer 10 000 d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là. Tu te fous de ma gueule? Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour ils le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos?
Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein? Te remercie? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben, ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça? On nous attaque. Tu sais encore tuer un homme, non? Ouais. Merde! Des bandits! Arrêtez-les! Ne les laissez pas entrer! Ils sont là! Allons à la passerelle! Tommy! Des bandits! Ils entrent dans le bâtiment! Ça a l'air drôlement compliqué. Non, on est coincés! Bougez pas! Bougez pas! On va... Ils sont là! Ellie, cache-toi! Maria? Ces fils de pute! Faut qu'on rejoigne les filles! Je te suis! Par là-bas! Joël! À toi de jouer. Maria a dit, écoute, il faut courir. Alors, on a plongé derrière cette table, calme et les géants... Calme-toi, écoute. Vas-y, avance. Hé, hé, tu es blessé. Non. Putain. Il faut que je te parle. C'est hors de question. Dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre. Maria, je veux pas avoir ça sur la conscience. Tu sais le nombre d'hommes qu'on a perdus ici aujourd'hui? Hé, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui vais devoir y retourner et annoncer à leur femme qu'ils ne rentreront pas à la maison. J'ai besoin de toi ici. Est-ce que c'est en rapport avec moi? On parlera de ça plus tard. Il a risqué sa vie. Est-ce qu'il t'a dit où était le labo? On parlera de ça plus tard. Je connais ces routes. Je suis allé là-bas. Plus tard. Je vois. Il suffit d'une fois. Un seul faux pas. Un seul faux pas et moi aussi, je me retrouverai veuve, ok? Je dois le faire. Je sais pas quoi dire d'autre. Très
très bien. Maria. Maria. C'est parti. Vous. Si quoi que ce soit, si quoi que ce soit lui arrive, ce sera votre faute. Elle est reconnaissante. Ouais, je sais. Je vais emmener la gamine, t'as pas à t'en faire pour ça. On ira tout droit chez les Lucioles. C'est mieux comme ça. Ouais, peut-être que tout ça finira bien. Il faut que je parle à Ellie. Répète, j'ai pas entendu. Joël ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ta gamine, elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Eh merde, vers où ? Viens ! Je viens de la voir partir par là. Retourne à l'intérieur. Va aider les autres à nettoyer. Ok, faites attention. Là, tu vois ces traces ? Ouais. Allez, ok, allez ! Elle peut pas être loin. On va la trouver. Allez, t'inquiète. Quelle tête de mule. Elle fait souvent ce genre de truc ? Pas comme ça. Je sais pas ce qui lui prend. Elle est pas passée par là. Là, d'autres traces. Beaucoup trop. Pas.